1998, la licence était supposée être morte et enterrée. Et qu'est-ce qu'il se passe sur cette petite console toute grise rectangulaire qu'on appelait une PlayStation? Revoilà le titre, en 3D, et oui, R-Type Delta. Ça a été une expérience, comme pour tout le monde, un peu perturbante, parce que jusqu'à présent, même sur un Third Lightning, qui était R-Type 3 sur... sur Super Nintendo, même s'il y avait des utilisations de script, même s'il y avait des niveaux qui tournaient sur eux-mêmes, des choses, beaucoup d'utilisation en fait de techniques. C'est ça qui est intéressant. On n'en a pas parlé encore de ça, peut-être de la technique en fait sur les R-Type, comme quoi c'était des bêtes de on va dire des bêtes de scène, on va dire des bêtes techniques pour les machines sur lesquelles elles tournaient. C'est vrai qu'il porte un côté regardez ce qu'on peut arriver à faire. Vous vous moquez des jeux, des shoots en 3D. Regarder réellement ce qu'on peut arriver à faire. Mais il faut dire que ça avait un prix. Ah oui, c'est un prix. Et en même temps, la question qui s'est posée, je pense, au sein d'IREM, ça a été de se dire ok, donc il y a R-Type, c'est une de nos franchises. Elle a fait beaucoup d'argent à une époque, mais c'est vrai que le shoot'em up est passé de vie à trépas, on va dire, et qu'il était. Qu'il est presque. Pas très intéressant, il ne passionne plus en fait. Alors que dans les années 80, je me souviens, quand il y avait un nouveau shoot'em up, on était au courant, que ce soit parti de Bubble Magazine, dès qu'il y avait une nouvelle sortie d'arcade de shoot'em up ou de beat'em up, on était tous comme des fous parce qu'il y avait une innovation, il y avait, on parlait tout à l'heure de Gradius, de Darius et de R-Type, qui étaient les trois grosses franchises en fait qui ont commencé à émerger entre 86 et 87, et qui ont survécu comme ça pendant presque, on va dire, une dizaine d'années avant que se pose la question de savoir comment est-ce qu'on allait renouveler, comment est-ce qu'on allait transformer cette histoire qui est entièrement en 2D. Et c'est quelque chose que le platformer aussi a dû faire. Quand tu regardes un tout petit peu ce qui se passe à l'époque, t'as la PlayStation, mais t'as la Nintendo 64, t'as Super Mario, enfin Mario 64, où Miyamoto se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va évoluer dans un environnement 3D avec un personnage qui saute dans tous les sens et qu'est-ce qu'on va lui donner comme éventail de pour combattre, enfin, éventail de mouvement. Ouais, au démarrage du jeu, là, on sent qu'ils y vont doucement pour pas trop choquer le public, apparemment. C'est-à-dire qu'on reste quand même sur une belle linéarité, un bon jeu où on suit un chemin en 2D. Et puis quelques objets, quelques bouts de décor surgissent du fond. Ils y vont pas franco au démarrage, mais ça va évoluer. Le joueur, hein. c'est toujours pareil. Et c'était ce qui se passait, si tu te souviens tout à l'heure, on parlait de R-Type 1, comme quoi le premier niveau t'apprenait en fait à récupérer les petits bonus et à faire évoluer force pour qu'il soit la puissance maximum. Et c'est magnifique ça, en 3D. En fait, 3D sur PlayStation. La grosse surprise que le jeu se réserve pour le joueur une fois qu'on passera le premier niveau, c'est surtout des changements d'ongles qui sont assez fantastiques dans ce titre. Oui. Alors, on va rester pour l'instant là-dessus sur ce qu'on voit, mais c'est vrai que c'est un jeu je vais revenir à la 3D d'abord. Il y a cette question de comment donner vie à un shoot'em up en 3D. Est-ce qu'on garde est-ce qu'on fait juste des sprites, entre guillemets, enfin, des individus, des vaisseaux en 3D et on les déplace en 2D, on utilise juste la caméra pour faire des petits mouvements. Et c'est ce qu'ils vont faire en fait, hein, principalement. Mais ils vont utiliser aussi des scripts, et ce qu'ils faisaient déjà, comme je disais tout à l'heure sur Third Lightning, pour amener en fait de l'étonnement et de l'inattendu pour la première fois à laquelle on va jouer, tout comme on était surpris lorsqu'on voyait le serpent arriver à la fin du deuxième niveau. Là, il faut toujours ramener du spectacle. Il faut qu'il y ait de l'inattendu sur la première partie pour qu'on ait envie de continuer à jouer. D'autant plus sur un jeu qui n'est plus. Les sprites sont énormes. Enfin, c'est pas des sprites, c'est les personnages en polygone sont énormes.
Et le problème qu'ont eu les gens de Direm à l'époque, c'est leur modèle n'était plus ni Darius ni Gradius. Leur modèle était Restorm, qui lui tournait en 3D et à 60 images secondes. Et en fait, ils voulaient atteindre ce niveau en fait de technique, parce que comme je le disais tout à l'heure, les gros sprites du premier type, tous les changements de scrolling ou les utilisations de différents modes sur Third Lightning, etc. C'est parce qu'en fait, il faut en mettre plein la vue aussi. Même dans un shoot'em up, ça reste un jeu un genre en tout cas qui doit être, j'allais dire, cinématographique. En tout cas, il joue sur des éléments de tension. C'est quelque chose que le développeur de Strider avait bien compris à l'époque, c'était en 87, si je dis pas de bêtises, ou 98. C'est que en fait, il faut une nouvelle action, il faut quelque chose de nouveau toutes les 30 secondes. Aujourd'hui, on dirait la même chose pour les mondes ouverts. On dirait qu'il faut un élément de décor, il faut un élément d'environnement, il faut une surprise ou un événement généré procéduralement toutes les minutes. Ou alors le déplacement d'une ville à une autre, comme dans par exemple, je crois que c'est Red Dead Redemption. Il faut environ 45 secondes ou une minute pour passer d'un lieu important à un autre lieu important. Ben là, c'est pareil en fait. Il faut qu'il y ait le shoot them up. Je vais revenir à mon idée de partition, mais c'est un peu ça, c'est toujours du rythme. Et le rythme, dans un shoot'em up qui soit en 2D ou en 3D, ça reste ce qui se passe à l'écran. Le petit rayon. Il est assez époustouflant, oui, sur la mise en scène, celui-là, sur les performances techniques, on peut le dire, parce que ça pousse la PlayStation sur un terrain qu'elle a peu fréquenté, hein, on peut le dire carrément. Et du coup, ça impose aussi un autre petit détail, c'est que dans toute cette 3D où le joueur s'habitue à se déplacer, le niveau de difficulté du jeu semble au-delà du raisonnable encore. C'est toujours une question, la difficulté c'est vraiment problématique, parce que c'est toujours une question d'habitude, et comme tu le disais, il y a un côté par cœur dans la tête. On dit souvent que les Dark Souls ou les Souls, certains disent qu'ils sont difficiles. Alors que oui, ils le sont, mais parce qu'en fait il faut les connaître. Il faut connaître le rythme du jeu, il faut connaître le rythme, la routine de l'adversaire, il faut connaître les mécaniques, il faut. Et là c'est pareil, c'est juste que n'importe quel shoot est difficile en soi. Hein. Moi je connais pas de vraiment. Il y a quelques jours là, il y a un youtubeur qui a sorti un américain je crois, qui a sorti une vidéo sur les shoot them up pour commencer et pas se dégoûter tout de suite du shoot them up. Et c'est vrai que c'est un genre, et R-Type en est représentant qui est plus comment dire difficile, mais en même temps. Petit hommage à la danseuse de Parodius. Ouais. C'est un genre qui demande beaucoup de. J'allais dire du travail, mais c'est pas du travail, c'est beaucoup d'investissement. Il faut passer, il faut accepter de mourir, il faut accepter de passer des heures et des heures, il faut accepter d'apprendre les routines. Et c'est pour ça que je parlais des Souls, même si c'est pas du tout la même chose, parce qu'on est sur l'esquive, on est sur l'apprentissage. Et c'est pareil, c'est toujours les routines, c'est toujours cet esprit en fait de battre le jeu en le connaissant, en l'apprenant, en étant proche de lui, en étant en comprenant en fait, en comprenant comment marche chaque ennemi, comment marche chaque niveau, comment marche. Et c'est vrai que bah, là on retrouve en fait une des forces ou un des marqueurs, on va dire encore une fois, de la série, à savoir ce boss énorme, gigantesque, et qu'on va retrouver encore une nouvelle fois dans le final, comme on le verra tout à l'heure. Ce boss gigantesque, il faut passer, on passe en dessous, au-dessus, on le détruit au fur et à mesure, une pièce à la fois, c'est laborieux, ça prend du temps, on lui balance plein de choses pendant ce temps-là, et la progression est lente, mais parce que le rythme des R-Type est lui-même assez lent. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, entre ce boss-là et celui qu'on a vu sur le tout premier R-Type, on a vraiment une lenteur qui s'installe en fait, on a une sorte de le rythme de R-Type s'allonge.
Bah, surtout que la lenteur là, elle est quasi obligatoire parce que le joueur, le pauvre, il n'a vraiment aucune place pour l'impro. Et ce qui est très très frustrant, moi je trouve, dans ce volume, c'est on comprend rapidement les mécaniques, on comprend rapidement les fonctionnements des différents ennemis qui se présentent à l'écran. Mais le problème, c'est que dans le chaos organisé du décor qui bouge, de cette caméra qui de temps en temps vous fait des blagues pour accentuer la mise en scène, plus les ennemis au milieu, on n'a pas le temps de mettre en pratique réellement ce qu'on imagine pour s'en sortir, je trouve. Ouais, c'est peut-être un épisode qui est encore plus. Plus C'est par un cœur que épisode les qui peut. autres. Qui est plus par cœur que les autres, en fait, finalement. Peut-être, ouais, parce que justement, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de place en fait pour le joueur. Le joueur, c'est une intrus. C'est une intrus dans le système, tu sais. C'est le virus que le système doit éliminer, tu vois. Et il envoie toutes ses défenses pour l'éliminer, si on prenait une métaphore, ou une allégorie cyberpunk. Niveau, c'est un cauchemar. C'est un jeu qui esthétiquement est plus sombre que les précédents. Il y a de la couleur, on voit bien, hein, parce qu'il faut bien, mais comme il leur faut gérer, essayer de garder le maximum de fluidité, il y a beaucoup de fonds sombres. On est beaucoup sur. On a perdu un petit peu, je trouve, la couleur des précédents, et moi j'aime ça. Hein. J'apprécie les jeux qui sont un peu sombres et comme ça un peu. Et je trouve qu'il y a. Je sais pas si t'as vu ce qui se passait actuellement dans le FPS. Il y a une petite mode. Actuellement, il y a une petite mode de FPS ou de Survival Horror façon PS1. Je sais pas si t'as vu passer ça. C'est-à-dire. Bah, ça veut dire qu'en fait, ils reprennent les codes esthétiques de la PS1. Ça veut dire des textures qui sont un peu flottantes, tu vois, pas toujours précises. Et qu'ils essayent de refaire. Ou des maniabilités, des ergonomies qui sont un peu abruptes, on va dire. Et comme par exemple sur le premier Silent Hill, tout ça. Et en fait, ils essayent de refaire des jeux d'horreur ou des FPS sur ce mode-là de texture un peu. Comment dire. Ça, je crois que c'est un de mes niveaux préférés de ce jeu. Moi, je pense Parce que. qu'honnêtement, la raison des fonds sombres sur cette version de R-Type, c'est surtout pour la lisibilité pour le pauvre joueur, qui puisse bien Pour tout. distinguer Ouais. les dangers potentiels par rapport à un gentil fond qui ne fait que bouger derrière. Je pense que c'est surtout pour ça que les gens au développement ont sûrement décidé de prendre des couleurs plutôt sombres, parce que ça s'utilise déjà sur les cheveux classiques. Très souvent, on dit qu'on fait du half-bright, c'est-à-dire on met en demi-ton les éléments qui ne sont pas actifs ou dynamiques sur l'écran pour permettre une plus grande lisibilité de tout ce qu'on met. Parce que le cheveu, en général, c'est très chargé. Donc je Et pense en qu'il y a même aussi de temps, ça comme raison. Ce il y a plein de passage est personnes qui horrible. travaillent sur la lumière dans ce.
dans cet épisode qui est particulière quand même. Sur tout ce qui est justement ombrage, sur les corps texturés, sur les vaisseaux, sur les adversaires, sur ce décor qui passe, tu vois, on a l'impression que ça noircit et que ça s'éclaircit à certains moments. On est dans un jeu qui est de plus en plus crépusculaire au fur et à mesure qu'on avance dedans. Ce qu'avaient noté beaucoup de journalistes à l'époque, c'était aussi tout ce qui était justement effet lumineux qui ressortait énormément. C'est vrai que là aujourd'hui, je pense que si le jeu ressortait, ce qui serait bien dans une version au moins HDisée, enfin juste un remaster, pour pas perdre en fait de ce côté un petit peu, comment dire, granuleux. Ouais, granuleux, un peu. J'ai mal à exprimer, mais ce côté texture ancienne, texture mal finie, texture grossière et en même temps magnifiquement éclairée. Tu vois, le vaisseau là, on passe d'ombre, de lumière, c'est quelque chose qu'on voit pas tant que ça. Et en même temps, on a plus tellement de shoot'em up dans ce style, mais tu vois, ça c'est un moment où en fait t'as plein de boss qui reviennent en fait. Ouais, ça c'est rigolo que les vaisseaux aient été convertis d'ailleurs. Parce qu'on les reconnaît clairement, mais ils ont leurs petites évolutions au passage. Donc du coup, on se doute les endroits où il faut taper. Oui, on les connaît, mais... Mais c'est pas pour autant que c'est simple, parce que le vaisseau n'était pas supposé se balader en deux morceaux. Bah, je pense qu'il fallait occuper tout l'écran. Mais c'est un jeu que j'aime bien, parce que justement, je le trouve très... on pourrait dire bordélique à l'écran, hein, mais en même temps... En même temps, il est quand même assez lisible, je trouve. Et puis surtout, tu parlais tout à l'heure de ne pas avoir d'expérimentation possible, mais tu as quand même trois vaisseaux au début du jeu qui ont vraiment des comportements différents, qui se jouent différemment, et avec lesquels tu peux pas, comment dire, suivre les mêmes routines. Tu peux pas jouer de la même façon avec les trois. C'est ça. Et je trouve que la texture, entre ces textures-là et ce polygone qui est un peu parfois incertain, tu sais, qui est un peu mouvant, tu sais, sur PS1, on avait souvent ces textures au sol, tu sais, où les jointures étaient visibles, tu vois. On voyait un trait entre les deux ou un vide, ce qui avait parfois des bugs, justement, ça arrive à te glisser d'une façon ou d'une autre entre deux plaques de polygones, enfin, entre deux polygones, deux couches de texture. Je trouve qu'ils exploitent merveilleusement bien le côté organique. Il y a voilà, un Dobkeratops qui est encore revisité entièrement et qui est beaucoup plus crade. Ouais, crade, sale. En fait, le tout premier, celui qu'on avait vu sur R-Type 1, au final, c'était une jolie illustration. Là, on est sur quelque chose de plus en plus réaliste, de plus en plus. Et c'est là que tu te rends compte peut-être justement de... Et on ressemble de plus en plus à la pub japonaise originale, d'ailleurs. Ça fait un petit peu comme au cinéma, le passage de Star Wars, avec leur vaisseau tout lustré, toujours tout propre. Au premier Alien, où on vous faisait voir donc un vaisseau, c'est crade, c'est esquinté, c'est tonché, c'est oxydé. Oui, c'est vrai, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu ce côté ça va être sale, ça va être... Et c'est pour ça que ça fait partie. On parlait tout à l'heure des choses qui m'avaient marqué dans les années 80 ou 90 quand j'étais enfant ou adolescent et que je jouais à ce genre de jeu ou que je regardais aussi des films d'horreur. Je découvrais en même temps les films d'horreur, je découvrais. Il y a des trucs qui m'ont marqué, il y a plein de films comme ça et on les retrouve, je trouve, dans ce jeu. Et il y a ce niveau. Tout à l'heure, on parlait de bébé.
Et donc là, on a l'illustration et ce côté, le pilote est aux confins de l'univers. Ah, mais c'est limite intra-utérin, là. Là. Bah oui, voilà. Et, mais en même temps, on est abstrait, on est mathématique, on a tout le savoir, une sorte de savoir à la fois humain, qui s'entrechoque avec une vision primitive, avec ces bébés qui sont fœtus, qui sont dans des cristaux. C'est particulier, on va dire, mais on est sur de l'horreur pure, telle qu'on pouvait l'imaginer fin des années 90. Quoi. C'est... Non, puis du coup, le jeu se cache pas de continuer dans la lignée du scénario d'origine, c'est-à-dire qu'on est face à des créatures biomutantes qui n'ont qu'un but, c'est de se multiplier et de muter et de nous faire vraiment l'enfer, quoi. Ouais, donc, côté incontrôlable. Le jeu te le dit, par du texte, mais par. Par ce qu'il montre, tout simplement, parce qu'en fait le shoot'em up n'a pas beaucoup de moyens de raconter à part des cutscenes, hein, comme dans par exemple Gradius 5 où il y a 2-3 cutscenes qui te racontent l'histoire, mais en général le shoot'em up se raconte par ce qu'il montre, parce que c'est le show dans le tel, tu sais, qu'on trouve souvent au cinéma où on t'explique qu'il faut pas raconter avec une voix off parce que c'est bidon, ça marche généralement moyennement, qu'il vaut mieux en fait montrer une scène et plutôt que d'expliquer, le montrer, quoi. De toute façon, et c'est vrai que là, pour le coup, on est dans 2001, c'est l'espace, en fait, quasiment, tu vois. C'est ça. Mais de manière organique, avec cette race extraterrestre qui, comme tu disais, qui ne pense qu'à proliférer. Oui. Quelle violence. Alors, pour le détail, il faut savoir que si le bouclier du R9, ce fameux vaisseau de R-Type, est si costaud, c'est parce que lui-même est constitué de bidots. Eh ouais. Et donc, du coup, il y a un sens, il y a une cohérence. Et on n'a pas parlé, mais je crois que tu voulais parler de la musique aussi du jeu, qui est... La musique de ce volet, oui, quand j'ai regardé tourner ce jeu, parce que j'ai pas eu la chance de le pratiquer, j'ai quand même été subjugué par les musiques du titre. C'est un jeu qui est vraiment intéressant, je trouve, parce qu'en fait il montre ce qu'il était possible de faire et jusqu'où on pouvait aller. Et en même temps, il montre parfaitement ce que la PS1, ce qu'était le moment PS1. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. On parlait de Nightmare Creatures, on parlait de Silent Hill, ce sont tous des jeux où il y a justement ces chairs qui sont texturées, avec ces polygones qui sont parfois... les jointures entre les polygones qui sont visibles, voyantes, qui dépassent, avec des polygones qui bougent un petit peu quand tu te déplaces, je pense notamment à Legacy of Kain aussi, enfin Survivor, il y a beaucoup de tout ça. Ah, puis il y a un détail qu'il a introduit, que tu as évoqué tout à l'heure, c'est qu'au démarrage du jeu, on peut choisir son vaisseau. Et mine de rien, dans la tête des développeurs, en train de se préparer... deux, trois petites choses, puisque les gens n'ont pas l'intention de s'arrêter à ce volume-là, vu que la 3D, apparemment, ça fonctionne pour R-Type. Et donc, comme on le voit sur le soft de pub, quelques temps plus tard, il y a un nouveau R-Type qui sort, avec une batterie de vaisseau, en plus. Ouais, c'est le Kazuma Kujo, quand il commence à réfléchir, il avait travaillé sur le précédent, et c'est lui qui est producteur sur le Final 2, Final 2, hein. Qui était producteur sur le Final 1 aussi et qui travaillait aussi sur Delta. La question qu'il faut se poser sur un R-Type, c'est le problème du shoot'em up, c'est que une fois que tu l'as terminé, tu le refais une fois ou deux pour le fun et puis tu le poses, quoi. Et quand tu es dans un monde où on arrive sur PS2, où tu as des jeux qui commencent à durer 10-15 heures, alors que un shoot'em up pour terminer, on a vu là les play ou les playthroughs qu'on a vu durent une demi-heure environ, 20 minutes, une demi-heure. Un shoot'em up, quand tu le connais par cœur, quand tu sais jouer, t'en as pour une demi-heure 45 minutes maximum. Oui, le Delta est particulièrement long, oui. Il fait 40 minutes. Alors que les shoot'em up sont jamais très longs. Un Donpachi, je sais pas combien de temps faut pour terminer. Donpachi, c'est 22 minutes à peu près. Hein.
Voilà. Donc tu vois, on est sur la trentaine de minutes. Et comment est-ce que tu fais pour allonger la durée de vie d'un autre? Comment est-ce que tu dis à ton joueur, bah, alors t'achètes mon jeu, tu vas le payer, à l'époque ça devait être 50 € ou 60 €. On était loin encore des 80 aujourd'hui. Mais comment est-ce que tu vas donner de la rejouabilité? Tout à l'heure, c'est que sur Delta, on était sur une sorte de jeu de transition entre, c'était pas voulu, hein, mais c'est comme ça qu'on peut le voir a posteriori, comme un jeu en fait qui, plutôt que d'en mettre plein tout le temps, plein la gueule sur le joueur, plutôt que de l'arroser tout le temps de boulettes, va prendre son temps. Il a, je pense que les développeurs et Kazuma Cujo en particulier ont compris que R-Type n'était pas un manic shooter, n'était pas un fast shooter ou ce que tu veux. C'est un jeu qui repose beaucoup sur son ambiance. Et c'est un jeu qui. C'est vrai que Final, plus encore que les autres, est un jeu qui est lent, qui repose sur une progression super. La vitesse de déplacement du scrolling, on le voit là, hein, tu vois. Et en même temps, il s'aménage des moments. En fait, il aménage des moments. Il aménage des instants. Tu vois, par exemple, là, une fois qu'on aura combattu le robot, il va rien se passer pendant quelques secondes. Il y a juste une sorte de bande son comme ça, éthérée. Passe rien en fait. Et moi, ça me fait penser en fait à beaucoup de Survival Horror, des expérimentations qui ont été faites sur les Survival Horror et sur le rythme en fait, sur l'absence, sur le rien, l'attente et l'appréhension. Audio, oui, il y a un traitement audio qui est particulier parce qu'en fait il y a très très peu la bande son est très très peu dynamique, mais tu me diras sur le précédent c'était pareil, il y avait des moments où c'était d'ailleurs la même équipe de musiciens qui avait géré le son et que c'est la même qui va travailler qui a travaillé sur Final 2, tu vois, il y a rien, tu vois, enfin c'est on est sur la gestion en fait du vide. Ah, on y vient. Oui, bah, c'est peut-être pour ça justement que ce son est vraiment travaillé avec une bonne réverb derrière, on dirait. Parce qu'effectivement, du coup, on se trouve dans un volume 3D. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore vu de gros obstacles niveau décor. Alors que ça fait partie quand même de l'esprit de la licence. Et ce premier niveau est vraiment étrange parce que ça explique cette réverb, c'est vide, effectivement. Ouais, c'est un niveau qui est très vite, d'autres seront un peu plus remplis par la suite, mais il y a toujours ce rythme un peu. On va voir, il y a toujours ce rythme un petit peu lent. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont dit on va s'inspirer des Survival Horror, qui prennent leur temps. Je pense à Silent Hill 2 principalement, qui a ces grands moments où en fait il se passe rien, le personnage marche, ou alors le personnage pagaye, ou. Monte une échelle, il se passe rien, il n'y a pas de, il y a pas de, mais c'est pas comme ça qu'on crée, que ce soit dans un film d'horreur ou dans les jeux d'horreur, qu'on crée de la tension, qu'on crée de l'attente. Et c'est vrai que là, on a vu ce laser gigantesque tout à l'heure,
Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, en fait, quand tu regardes, il ne se passe pas grand-chose. Il y a juste eu un robot, il y a quelques trucs qui rentrent. Là, il y a des choses un peu qui commencent à arriver avec des styles un peu particuliers. Et on est sur un jeu qui fait très vite. Et je sais pas si tu as fait Inside. Oui. Je trouve quelque chose qui ressemble un petit peu. Là, tu as une sorte de traitement dans noir et blanc, dans le certaines textures aqueuses. Je sais pas. Le boss le plus raté du monde à mon goût dans un R-Type. Quand je suis arrivé là-dessus, j'ai eu du mal à pas rigoler. C'est que celui de Final 2, le premier, ressemble beaucoup à ça un petit peu. Ouais, ouais, mais il est quand même étrange, on n'est pas habitué à ça. Il y a le décor, alors c'est le côté organique, bien entendu, mais le rendu est vachement plastique, ça fait encore années 90 à la limite. C'est super bizarre, surtout que comme tu le disais dans le Delta qu'on a vu précédemment, les gars, ils étaient allés franco quand même sur le côté, lui, c'est tout destroy, c'est tout oxydé. Là, il y a un côté sur l'esthétique où c'est beaucoup trop propre à la limite. Est-ce que t'as joué à Final 2, la démo, ou pas? Oui. T'as trouvé ça comment? Je suis content de pas avoir backé, voilà. J'ai bien résumé. J'ai ce problème avec ces versions-là 3D. Parce que autant la Delta, quand je l'ai découverte, sans l'avoir pratiquée, je suis resté quand même la mâchoire par terre. Ouais. Là, il n'y a pas cet effet waouh. Il n'y a pas de dynamique qui est super speed et stressante. Le seul truc qu'on retient, et qui va se développer avec le niveau d'après, justement, et qui va rendre l'aventure vraiment intéressante, c'est ce côté, je vais dire, parcours. Parce qu'il va y avoir des placements qui vont être chaud pendant le périple. Mais ouais, pour le reste, je trouve pas l'amusement d'un shooter, du coup. C'est... Comme je disais tout à l'heure, je pense réellement que... ils sont... Enfin, en même temps, là, pour l'instant, avec la version de tir, enfin, du vaisseau classique, quoi. C'est vrai qu'avec d'autres, c'est un petit peu différent. Je sais pas si t'as joué sur Final 2, sur le niveau, il y a trois vaisseaux disponibles, et c'est vrai que quand tu essayes les trois, tu te rends compte qu'en fait, ce qui était simple avec un des vaisseaux, qui était super simple avec le vaisseau classique, devient beaucoup plus compliqué ou demande d'autres rythmes, en fait, de gérer différemment le rythme. Après, Final, celui-là, ce qui est intéressant, tu parlais de plastique tout à l'heure, je pense que le vrai problème c'était aussi, on est sur de la PS2, les rendus sur PS2 étaient, je vais pas vérifier sur quoi tourner le jeu, mais je serais pas étonné que ce soit sur un renderware ou un truc comme ça, sur quel moteur. Mais ce qui est marrant c'est que, tu parlais tout à l'heure d'avoir plusieurs vaisseaux, mais ce R-Type Final, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il propose, un peu comme la version Master System du premier, il y a d'autres niveaux, il y a des niveaux qui sont cachés, des niveaux qui sont ailleurs. Il y a... On est sur... Tout à l'heure, on parlait d'énigmes, c'est de jeux qui sont un peu des casse-têtes, machin, tout ça, ou qu'il faut résoudre comme Ikaruga, où il faut, pour scorer, il faut tirer à certains moments, s'arrêter à d'autres, connaître parfaitement le placement, etc. etc. On va faire un moment de silence sur ce boss, parce que tout le monde en a des souvenirs très très douloureux. Notamment à l'arrière, justement. C'est là qu'on voit quand même l'importance du placement du bouclier.
ce stress. Ce moment, ouais. Ouais, et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la création du rythme. C'est que t'as des moments qui sont très calmes où tu te dis, bon, ça, c'est facile, là, c'est cool. Et puis derrière, t'as un truc qui est hardcore. C'est la gestion, en fait, au sein d'un niveau de shoot'em up. Tu peux pas tout le temps arroser le joueur, c'est comme dans FPS, tu peux pas arroser le joueur tout le temps, tu vois. Tu peux pas être tout le temps sous pression. Un joueur tout le temps sous pression, c'est. Enfin, un jeu qui te met tout le temps sous pression, c'est un jeu qui n'a pas compris comment créer de la tension, en fait. De la tension dans le jeu, dans sa mise en scène. Là, je trouve que en jouant avec le côté. Là, c'est lent. Là, c'est super lent. Mais sauf que t'as pas de place pour bouger là. C'est surtout la sortie qui est pénible. Le nombre de fois où j'ai oui, votre ici. Les robots sont dessus, ouais. Il faut passer, mettre le bouclier derrière vite fait, et là c'est à peu près safe. Doom R-Type Final, je trouve, est intéressant parce que justement, contrairement au précédent, il essaye pas d'en mettre plein la vue. Il le fait, hein. Parce que en fait, mais ses mouvements de caméra sont très lents, sa musique est planante la plupart du temps, tout va très lentement en fait. On est dans une sorte de... C'est ce que j'avais écrit pour Pixel Art, on est dans une sorte encore de Keratos, qui est encore plus alité que précédemment, avec on a l'impression qu'il est handicapé, qu'il est... Enfin, qu'il a des engins de torture sur lui, enfin c'est plus le Dope Keratos qu'on connaissait, qui était finalement assez propre et clean au début, tu vois. Là, limite sympa. et ce que je disais dans le papier sur... Et là, c'est un truc là, par contre, il en met un petit peu plein. La vue est un petit peu trop, parce que. Ils y sont allés très fort, oui, sur ce niveau. Ils y sont allés vraiment très, très fort. Ouais. Mais en fait, ce que je disais, c'est que ce volet est en fait comme une sorte de procession funéraire, en fait. C'est celle de l'Empire Bido, mais c'est aussi celle de la série, tu vois. C'est une double procession funéraire. Où, en fait, tout est lent, tu vois. Enfin, c'est pour ça qu'il y a autant de vaisseaux, même des vaisseaux qui viennent de d'autres franchises. Toi, c'est tout le monde est convié en fait à l'enterrement de R-Type et de l'Empire Bido en même temps, tu vois. C'est pas faux. Et c'est pour ça peut-être que ce rythme est un petit peu plus lent, peut-être que ce rythme est un peu plus solennel. Déjà à la fin du jeu. Oui, bah, ça a été coupé parce que les runs sont relativement longs. Et cette fin a laissé un goût amer à beaucoup de monde. Je lève la main d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que c'est encore un niveau où tout est on est à la limite de l'univers, la perception humaine, on comprend plus ce qui se passe, enfin c'est... Et là, bah, en fait, c'est peut-être une fin pessimiste. Ah bah, il n'y aura plus jamais de R-Type, on est en 2003, non. C'est fini, c'est bel et bien enterré, comme tu l'as dit, c'est un... Oui, on n'a plus qu'à refermer le cercueil. Soudain, 2021. Allez, un Kickstarter. Alors celui-là, il a été travaillé quand même de longue date. Le projet a démarré quand exactement, je me rappelle même plus. Là, je sais pas. Je crois que ça fait 3 ans qu'il est en route, ça fait depuis 2018, il me semble. C'est ça, ouais, c'est ce qu'il avait écrit, ouais, 2018, donc ça fait ouais, 3 ans qu'il a été kickstarté. Et avec la promesse de faire un Final 2, ce qui est étonnant, puisque le final, on s'attendait à ce que ce soit la dernière. Et là, on a ce jeu qui...
a mis beaucoup d'emphase sur cette intro. Alien organisms from outer space. People pinned their last hope on a small trans-dimensional fighter. Hi, how's it going? Now, you are about to go into the start sequence. Alors, je vais me faire avocat du diable. Le premier niveau, c'est pas le plus représentatif dans un shmup. Donc là, du coup, on est sur une démo. Ouais. On voit juste le premier niveau. On sait très bien que le premier niveau, ça sert à guider le joueur pour qu'il apprenne les commandes de base. Donc, ça peut expliquer ce phénomène, et on y revient, de vide qu'on trouve dans ces versions de finale. Ouais, mais tu vois, par rapport au vide du précédent, qui était un vide. Oppressant. Oppressant, là je trouve qu'en fait on est plus sur on a l'impression d'être dans le premier en fait, mais en 3D, tu vois, avec des personnages en 3D, avec des adversaires en 3D, mais on a des vaisseaux, des robots qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a vu par le passé, on a le Bill qui marche. En soi, en y jouant, j'étais content, parce que je me disais, bah voilà, c'est le AirTag que je connais, c'est le AirTag que j'aime, il n'y a pas eu de trahison, tu vois, il n'y a pas eu de, je me dis pas, il y a de jolis effets de lumière comme on peut voir, il y a un robot assez classique qui arrive là, il y en aura un autre un peu plus loin, un peu plus dur. On a des petits passages un peu plus fermés que d'autres, on a des caisses à détruire, on a des éléments qui gênent le passage. Mais il n'y a pas de surprise, tu vois, dans AirTag Delta, t'avais ce côté des personnages qui viennent de. Il y avait une idée, tu vois, il y avait des idées. Alors, il est assez probable, on va un peu spéculer dessus, hein, on va se faire plaisir, mais c'est assez probable que le titre revienne quand même pas mal à son mode de jeu, entre guillemets, parcours. Parce qu'on voit que sur le décor, quand même, c'est vachement bossé, il y a des éléments qui passent dans le plan actif du joueur. Donc, il y a moyen que les développeurs nous aient préparé quelques surprises, avec justement des bouts de décor qui vont se détacher, qui vont devenir partie prenante dans la partie. Par rapport et au positionnement et à continuer de flinguer les ennemis, je leur espère quoi. Bah, moi aussi, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, moi ce que j'ai vu, j'ai joué avec les trois vaisseaux qui sont présentés. J'ai regardé un petit peu comment marchait le système de ressources, parce que visiblement, on pourra créer des vaisseaux avec des ressources qui ont été collectées dans chaque niveau. C'est un truc très classique maintenant, peut-être un petit peu souvent, enfin, on préférerait, je pense, les débloquer autrement les vaisseaux, notamment peut-être juste tout simplement en terminant les niveaux par exemple. Tu vois, il y a des choses qui te disent, je sais pas, ça m'a pas. Autant j'avais une grosse attente dans du Kickstarter et avant, c'est pour ça que j'avais écrit d'ailleurs à l'équipe de développement pour avoir une petite interview pour le Kixanov, pour le dossier Kixanov. Et en y jouant, je trouve ça pour l'instant un peu léger, tu vois. Il n'y a pas l'effet. Pas d'effet waouh. Ni l'effet attente, perception, enfin l'appréhension du truc, comme dans le premier final, ni le déluge ou la découverte, comme dans le 1 ou dans le Delta, tu vois, il n'y a rien de tout ça, tu vois. C'est un niveau qui est quand même. C'est pour ça que je sais pas quoi en penser pour l'instant. Les sensations sont là, c'est un AirTag, ça c'est sûr, en termes de rythme et tout ça, c'est un AirTag. En termes d'univers, ça a l'air de ressembler. On a un Dopkeratops qui est prisonnier de la glace, là, où on voit juste la petite tête verte qui sort, hein, et qu'on vient d'éliminer. Mais après ça. En tout cas, on est promis à retrouver une sacrée ribambelle de vaisseaux. J'espère qu'ils vont pas céder aux idioties des DLC et compagnie. Je sais pas, mais je sais pas si ça a été prévu. J'ai pas fait attention à ça. Là. Parce que si apparemment on peut récupérer de la ressource pour customiser des vaisseaux.
Ah, je faire. me mets à la place des gens au marketing. Ouais, et après en même temps, ça reste AirTag. On sait très bien que même si je sais pas combien s'est monté le, à combien s'est monté le Kickstarter, mais bon, il était loin des chiffres qu'on avait eu sur des RPG, des computers RPG en tout début de vie de Kickstarter, hein, comme je pense à Westland 2 ou Pillars of Eternity. Tu vois, on était très loin de ça, de ces chiffres-là. Du coup, on va être totalement d'accord sur le fait que dans l'état actuel, on ne sait absolument pas quoi en penser. Exactement, c'est que moi j'aime bien la maniabilité, j'aime bien tout ça, mais il manque quelque chose encore. Je trouve que c'est un peu léger, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'attends de voir, peut-être que la richesse va venir hein, avec les niveaux, avec d'après ce que quand j'avais fait l'interview justement de Kazuma Koji, Kujo, pardon, il me parlait de que oui, il allait y avoir des niveaux secrets, qu'il allait y avoir des choses à faire, des triggers à enclencher pour débloquer des trucs, des choses comme ça dans les niveaux. C'est juste que sur ce premier niveau, c'est vrai que c'est quand même sans quoi. On n'a pas. Je suis un peu déçu pour l'instant pour ce que j'ai vu. Après, j'attends de voir évidemment le jeu final et tout ça, mais ça, voilà. Moi perso, je vais attendre le R-Type Final 3. En tout cas, Raphaël, merci d'être passé et de nous avoir éclairé un petit peu sur cette licence. De rien, merci à toi de m'avoir invité. Est-ce que tu as des projets dont on puisse parler pour bientôt? Alors, il y a des bouquins, des choses qui vont sortir, où je parlerai aussi d'un peu de R-Type d'ailleurs, mais ce sera pas sur le shoot'em up précisément, plus large. Mais je peux pas en parler pour l'instant. Et sinon, bah oui, Prince of Persia, parce que j'en ai déjà parlé et que je l'avais déjà annoncé précédemment dans d'autres émissions ailleurs. Mais on attend en fait que le pop remake sorte pour pouvoir sortir le livre avec, quoi. D'accord, et ce bouquin il couvrira quoi? Tous les Prince of Persia où il va se Tout spécialiser sur. jusqu'à même le remake, parce que j'en ai parlé avec Jordan Mechner, du début, même on commence à Karateka, hein, carrément, donc avant Prince of Persia, mais pour tout ce qui est le mouvement, tout ça, le travail sur la rotoscopie, etc., qui a été repris ensuite sur Prince of Persia. Pas mal de heures pendant les développements, surtout sur Pop 3D et Pop 2008, où il y a eu vraiment des problèmes. Enfin bon, je pense que ce sera intéressant. Cool. Bon, eh ben on va se quitter sur ce joli plan en attendant le test réel du jeu, puisque je pense qu'il va vraiment falloir le manipuler pour savoir de quoi il en Ouais. retourne concrètement. Ouais, bah oui, surtout qu'il y a une centaine de vaisseaux encore une fois, donc. En tout cas, merci d'être passé. À tout bientôt. Bah merci, merci pour tout, au revoir. Ciao.